manger un ouf chaque jour pour progérer votre CO2. Les ouf sont l'un des aliments qui devrait, négation logique très classe S parmi les super aliments à condition qu'ils soient consommés bio ou lèvent en plein air. Gros aux divers nutriments qu'ils contiennent, plusieurs recherches ont démontré leurs bienfaits pour le corps humain. Cependant, les derniers points d'interrogation inversés restent dont montrent que les ouf sont également TR point d'interrogation inversés S bénéfiques pour le CO2. Les effets de la consommation des ouf sur le CO2. Selon une étude RALIE par l'American Scientist, la consommation d'ouf de poulet de produits à base d'ouf de poulet est utile pour les vaisseaux cérébraux. Un seul ouf par jour suffit pour réduire de 12% le risque d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées. Les chercheurs ont souligné que les ouf contiennent des antioxydants qui abaissent le niveau de pression des cellules en oxygue point d'interrogation inversé ne et suppriment les processus inflammatoires. De plus, les ouf constituent une excellente source de proïnèse qui réduisent également la pression dans les vaisseaux. Les scientifiques ont tiré leurs conclusions des résultats de l'analyse de cette étude sur les effets de divers aliments, y compris les ouf, sur la santé du CO2 et des vaisseaux sanguins. Selon ces analyses, la consommation d'ouf a été associée non seulement à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral, mais également à la diminution du développement d'une maladie coronarienne de 3 à 10%. Dans une autre étude, publiée dans le journal Medical Art en mai 2018, une équipe de chercheurs a examiné les habitudes alimentaires de 416 000 personnes âgées et de 50 ans en moyenne, ne souffrant d'aucune maladie cardiaque ni de diabète. Point d'interrogation inversé eux. Ils ont ensuite suivi leur tâte de santé pendant 9 ans. Les chercheurs ont constaté que les sujets de l'étude qui mangeaient ergoulis point d'interrogation inversement des ouf PR sentaient un risque moins élevé de décès point d'interrogation inversé S par AVC ou maladie cardiaque par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas. Plus PR ciment, ceux qui mangeaient en moyenne un ouf par jour avaient 28% moins de risque de décès point d'interrogation inversé S par AVC et 18% moins de risque de décès point d'interrogation inversé S par cardiopathie. Les chercheurs ont suggéré que l'une des explications pourrait, négation logique très le fait que les ouf contiennent des nutriments sains pour le CO2, tels que le folate et les acides gras oméga-3 qui sont connus pour réduire les taux sanguins de triglycérides, un facteur de risque bien connu pour les maladies cardiaques. Qu'en est-il du cholestérol contenu dans les ouf? Le jaune d'ouf contient beaucoup de cholestérol, mais le niveau de celui-ci dans notre corps n'est pas affecté par la consommation M, négation logique me ergoulis point d'interrogation inversé re des ouf. Le cholestérol dans les aliments et celui dans le sang sont deux choses différentes. Le cholestérol contenu dans les aliments que nous mangeons n'a aucun lien avec le mauvais cholestérol sanguin car celui-ci est produit par certaines cellules de notre corps et par le foie. Les ouf sont l'un des aliments les plus nutritifs. Ils contiennent beaucoup de proïnèse, des vitamines A, D, E, B5, B9 et B12, ainsi que de la luine et de la zéaxanthine qui favorisent le renforcement de la vision. Ils sont également riches en choline qui est excellente pour la santé et le développement du cerveau. Les ouf favorisent la production du bon cholestérol. Une étude iranienne de 2015, les ouf aident le foie non seulement à bloquer la production de lipoproïnèse de faible densité, qui sont un type de cholestérol nocif qui obstrue les vaisseaux sanguins et entraîne diverses maladies, mais contribue également à la production de lipoproïnèse de haute densité, qui est un cholestérol utile, qui affecte positivement la santé des vaisseaux sanguins et du CO2. En outre, manger un œuf par jour également reconnu pour améliorer la vue gros à la PR sens de l'urine, il permet d'améliorer la mémoire gros à la vitamine B,
Sa richesse en nutriments et micronutriments en fait un aliment qui répond aux besoins de la femme enceinte et du fœtus. Sa forte teneur en carotenoïdes et en vitamine A, CE pro point d'interrogation inversé GE contre le cancer du sein comme le SEG point d'interrogation inversé une étude de l'université de Harvard. Mise en garde. Il ne faut pas abuser de la consommation des OUF, comme de tout autre aliment. Ils contiennent beaucoup de proïnes et le fait d'en consommer en exc point d'interrogation inversé SCRE une surcharge excessive pour les reins. Les femmes enceintes doivent éviter de consommer des OUF crus, car le blanc d'OUF contient de l'avidine, une substance qui se lie à la biotine, une autre substance dont les femmes enceintes ont souvent une carence. Le jaune d'OUF est quant à lui sans danger. De plus, les OUF constituent une excellente source de proïnes qui réduisent également la pression dans les vaisseaux. Les scientifiques ont tiré leurs conclusions des résultats de l'analyse de cette étude sur les effets de divers aliments, y compris les OUF, sur la santé du cœur et des vaisseaux sanguins. Selon ces analyses, la consommation d'OUF a été associée non seulement à une diminution du risque d'accident vasculaire cérébral, mais également à la diminution du développement d'une maladie coronarienne de 3 à 10%. Dans une autre étude, publiée dans le journal Medical Art en mai 2018, une équipe de chercheurs a examiné les habitudes alimentaires de 416 000 personnes âgées de 50 ans en moyenne, ne souffrant d'aucune maladie cardiaque ni de diabète. Point d'interrogation inversé te. Ils ont ensuite suivi leur tête de santé pendant 9 ans. Les chercheurs ont constaté que les sujets d'études qui mangeaient ergoulis point d'interrogation inversement des OUF PR sentaient un risque moins élevé de décès point d'interrogation inversé S par AVC ou maladie cardiaque par rapport à ceux qui n'en mangeaient pas. Plus PR Simon, ceux qui mangeaient en moyenne un OUF par jour avaient 28% moins de risque de décès point d'interrogation inversé S par AVC et 18% moins de risque de décès point d'interrogation inversé S par cardiopathie. Les chercheurs ont suggéré que l'une des explications pourrait, négation logique trait le fait que les OUF contiennent des nutriments sains pour le cœur, tels que le folate et les acides gras oméga-3 qui sont connus pour réduire les taux sanguins de triglycérides, un facteur de risque bien connu pour les maladies cardiaques. Qu'en est-il du cholestérol contenu dans les OUF? Le jaune d'OUF contient beaucoup de cholestérol, mais le niveau de celui-ci dans notre corps n'est pas affecté par la consommation M, négation logique me ergouli point d'interrogation inversé re des OUF. Le cholestérol dans les aliments et celui dans le sang sont deux choses différentes. Le cholestérol contenu dans les aliments que nous mangeons n'a aucun lien avec le mauvais cholestérol sanguin car celui-ci est produit par certaines cellules de notre corps et par le foie. Les OUF sont l'un des aliments les plus nutritifs. Ils contiennent beaucoup de proïnes, des vitamines A, D, E, B5, B9 et B12, ainsi que de la luine et de la Z-axanthine qui favorisent le renforcement de la vision. Ils sont également riches en choline qui est excellente pour la santé et le développement du cerveau. Les OUF favorisent la production du bon cholestérol. Selon une étude iranienne de 2015, les OUF aident le foie non seulement à bloquer la production de lipoproïnes de faible densité, qui sont un type de cholestérol nocif qui obstrue les vaisseaux sanguins et entraîne diverses maladies, mais contribue également à la production de lipoproïnes de haute densité, qui est un cholestérol utile, qui affecte positivement la santé des vaisseaux sanguins et du cœur. En outre, manger un œuf par jour également reconnu pour améliorer la vue GROS à la PR sens de l'huile, il permet d'améliorer la mémoire GROS à la vitamine B, sa richesse en nutriments et micronutriments en fait un aliment qui répond aux besoins de la femme enceinte et du fœtus, sa forte teneur en carotenoïdes et en vitamine A, CE pro point d'interrogation inversé GE contre le cancer du sein comme le SEG point d'interrogation inversé une étude de l'université de Harvard. Mise en garde.
Il ne faut pas abuser de la consommation des OUF, comme de tout autre aliment. Ils contiennent beaucoup de proïnès et le fait d'en consommer en exque point d'interrogation inversé SCRE une surcharge excessive pour les reins. Les femmes enceintes doivent éviter de consommer des OUF crus, car le blanc d'OUF contient de l'avidine, une substance qui se lie à la biotine, une autre substance dont les femmes enceintes ont souvent une carence. Le jaune d'OUF est quant à lui sans danger. We'll be right back.